pour passer un moment dans la fraternité et dans la présence de Dieu. Vous savez que cette semaine, qui est encore devant nous, c'est la deuxième partie de ce qu'on appelait les 10 jours de prière. On en a parlé déjà samedi dernier. Nous sommes dans une période particulière de prière, en commençant l'année, pour demander à Dieu de nous consacrer à lui et de nous mettre à son service, et pour prier aussi pour tous ceux qui, dans le monde, ont besoin d'une aide particulière, d'une assistance particulière du Seigneur. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez aller sur le site, alors c'est en anglais, 10daysofprayer.org, et vous pouvez trouver là toutes sortes de textes encourageants dans le cadre de ces 10 jours de prière. L'émission Il est écrit de cette semaine, qui sera donc diffusée demain matin sur V à 6h et lundi à 8h30, a pour titre l'inventaire personnel, et mon invité est Patrick Dupuis. Je vous recommande de suivre cette émission, soit à la télévision, ou si vous trouvez que ce n'est pas le bon moment, allez sur ilestécrit.tv, vous pouvez en tout temps suivre l'émission Il est écrit. Le samedi 28 janvier, nous allons partager le repas du Seigneur. Ce sera donc le moment où nous vivrons le lavement des pieds et la Sainte Cène. Je vous invite à être présent et à vous préparer déjà pour ce moment. Les reçus pour fin d'impôt, les dîmes et offrandes que vous avez données durant l'année 2016, donc les reçus ont été préparés, vous pourrez les récupérer auprès de notre trésorière Anne-Marie Tremblay. Anne-Marie, tu veux te lever juste pour qu'on... Voilà, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, Anne-Marie est notre trésorière, vous pouvez récupérer vos reçus auprès d'elle. La même Anne-Marie va se rendre avec quelques-uns en Haïti à la fin du mois de janvier et au début du mois de février pour soutenir là-bas un village et une école qu'avec d'autres nous parrainons. Ceux qui voudraient aider à l'achat de fournitures scolaires dont on a besoin pour l'école là-bas peuvent faire un don. Il vous suffit de mettre l'argent dans une enveloppe aujourd'hui, samedi prochain ou le samedi suivant, dernière limite, puisque Anne-Marie part le 29, donc soit aujourd'hui 14, le 21 ou le 28, vous pouvez mettre dans une enveloppe une offrande et vous écrivez sur l'enveloppe « fourniture scolaire ». Et on saura de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'aider cette école à Boispin, dans le plateau central en Haïti. Je vous rappelle que chaque samedi matin, nous avons aussi l'école du sabbat. Là, on vous annonce qu'il y a à 11h, bien sûr, la classe pour les enfants. Mais je voudrais rappeler que pour les adultes, tous les samedis à 9h30, nous avons l'étude, qu'on appelle l'étude de l'école du sabbat. Et ce trimestre est une étude vraiment très intéressante et très importante. Le Saint-Esprit et la spiritualité du croyant. J'aimerais vraiment vous inviter à participer à l'école du sabbat. Et j'aimerais aussi vous inviter, si vous ne l'avez pas, à obtenir le guide, le manuel de l'école du sabbat. J'en ai parlé avec Carmin et il me disait qu'il y en a encore un certain nombre qui sont disponibles. Vous pouvez l'obtenir. Allez voir Carmin ou Daniel dans le coin librairie et vous pourrez obtenir donc le guide de l'école du sabbat. Notre bibliothèque fonctionne tous les samedis. Après le culte, vous pouvez vous rendre à l'étage et vous retrouvez là Claire-Marie ou Elsie pour emprunter des livres ou même des CD ou des DVD. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait sonner pendant le service de culte, c'est le moment de le sortir, de l'éteindre ou au minimum de le mettre sur vibration pour qu'on ne soit pas dérangé pendant le service de culte. Je vous en remercie à l'avance. Et je vous invite maintenant à tout simplement un moment de silence, de recueillement pour inviter le Seigneur dans nos cœurs, lui à qui nous voulons rendre un culte en esprit et en vérité.
Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Je tiens aussi à saluer les gens qui nous écoutent via le net, ainsi que, comme toujours, mon ami Loulou qui m'écoute. Dieu, amour, Jésus, souffrance, il a tout fait pour nous, par amour. Nous, l'aimons-nous vraiment? Voulons-nous vraiment faire sa volonté? Sommes-nous à l'écoute de sa parole? Inclinons la tête. Tendre Père Céleste, toi qui es un grand Dieu et qui mérite tout, permets-nous, Seigneur, d'être humbles devant toi et de tout remettre à toi et de comprendre que sans toi, nous sommes perdus. Merci pour ton Saint Sabbat. Aide-nous à l'honorer. Aide-nous à vouloir toujours être dans ta présence. Reste auprès de nous pour cette belle journée. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dieu nous parle par sa parole, des fois par des signes, et même par des gens qui mettent sur notre route. L'autre jour, je revenais d'une formation de leadership. J'étais à pied. Tout à coup, j'entends quelqu'un qui me parle. « Excusez-moi, madame. » J'arrête, je me retourne et je vois un vieil homme. Et je me dis intérieurement, il veut probablement des sous. Tout de suite, je pense, peut-être aussi c'est un test de Dieu. Alors je me lance, j'y réponds. « Oui, monsieur. » Et c'est là que tout chavire. J'étais vraiment pas dans la bonne route. J'avais tout faux, ce n'était pas des sous. Il me dit, « Si vous mourrez aujourd'hui, irez-vous au ciel? » Wow! C'est quoi ça? Je me demande. Je sens mon cœur qui bat, se remplir de joie et d'amour. Oui, oui, je réponds très heureuse. Je crois en Dieu. Je lis, j'étudie sa parole. Je vais à l'église. Ça y est, je suis partie. Ah oui, de répondre le vieil homme. Ouh! Excusez-moi, mais oh yes, on continue. Je suis toute contente. À Montréal, à l'église Adventiste. OK, un petit temps mort. Et là, presque en même temps, les deux, on se dit « Que Dieu vous garde ». Chacun se tourne et continue son chemin. Nous pouvons lire dans 5:13 « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Je vous invite à vous lever. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné ta vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre. Ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné ta vie,
je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre. Et là, moi, j'ai le cœur qui veut exploser. Alors, je me retourne et je relance. « Excusez, monsieur! » Il se tourne. Je dis, « Enfin, je ne sais pas si je vais être au ciel, mais il y a une chose que je sais, c'est que j'aime Dieu de tout mon cœur. » Et l'homme répond, « Si vous aimez Dieu et avez un cœur repentant, vous irez au ciel. » Ouf! J'ai répété, « Que Dieu vous garde! » Pour les 15 minutes de marche qui me restaient jusqu'à la maison, j'avais tellement de joie, ça débordait. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je partage ma foi, mais c'était différent. Là, ça déboulait dans ma tête. Je me suis dit, c'est un clin d'œil de Dieu. J'ai même conclu, que c'était un ange de Dieu qui l'avait mis sur ma route. Là, je chantais des cantiques, j'étais fière d'être chrétienne, d'avoir donné ma vie à Dieu. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infini bienfait. Tout en moi soupire le jour et la nuit après ta présence qui comble ma que j'avais quelque chose à comprendre. Alors, je me suis mis à analyser tout. Un jour, moi qui n'écoute pas la télé, lis pas le journal, je suis attirée par la couverture de ce fameux journal du jour qu'il y a à mon travail. En gros, c'est écrit « Le salut d'un bon samaritain ». Encore Dieu! L'homme suicidaire a repris goût à la vie en aidant les personnes itinérantes. La volonté de Dieu. Voilà, il faut simplement faire la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 5, verset 33, nous pouvons lire. Vous suivrez entièrement la voie
que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Voyez comme il nous aime, pour que vous soyez heureux. Dans Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Soleil, et que tu vas travailler. Prends un instant pour prier. Celui qui te donne la vie encore aujourd'hui. Il te tend la main, murmure ton nom. Ça va te dire bien. Ne dis pas non, ne dis pas non. Tu es découragé par l'absence d'amitié. Prends un instant pour penser à celui qui est ton ami, surtout aujourd'hui. Il te tend la main, murmure ton nom. Sa voix te dit viens, oh, ne dis pas non, ne dis pas. Le soir quand tu es rentré, lorsque tu vas te coucher, oui, repense à ta journée. Prends un instant pour louer celui qui te donne la vie encore aujourd'hui. Il te tend la main, murmure son nom. Sa voix te dit viens, on ne dit pas non, ne dis pas. Jésus prend ta main, murmure ton nom. Le Christ dit viens, oh ne dis pas non, ne dis pas non. Donc, prenons du temps pour s'analyser soi-même. Suis-je à l'écoute de Dieu? Est-ce que j'attriste le Seigneur? Puis-je tenir la tête haute et être fier de me définir comme un chrétien? Ou même, suis-je prête à rencontrer Jésus? Car on peut lire dans Proverbes 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu juste. J'inviterai Christella. Wow, Seigneur, voilà 365 jours de plus. Comme cela passe vite, hein? Tous ces moments qui se transforment en souvenirs. Bon, certains mieux que d'autres, je dois l'avouer. Pourtant, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi quand je vous dis à quel point je suis reconnaissante. Parce que Dieu nous rappelle à chaque instant qu'il nous faut prendre du temps à part. Parce que c'est la seule façon que l'on a de pouvoir retrouver un peu d'espoir, de pouvoir l'entendre nous parler. Parce qu'il n'y a que de cette manière, Seigneur, que l'on peut sentir ta présence, prendre pleine possession de ce choix que nous avons, de te choisir. Dans ce monde où tout le monde semble me regarder et attendre que j'agisse, je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que tu sauras me montrer le bon chemin. Mais Seigneur, j'ai tellement besoin de toi pour que tu m'aides à le suivre. Parce que le bruit qui émane de ce monde se fait de plus en plus fort. Et je sais que seule ton aide pourra m'en délivrer. C'est pourquoi je veux tendre l'oreille tôt le matin
alors que les premiers rayons du soleil caressent mon visage, dans le murmure de la nature qui s'éveille, pour ne voir que ta splendeur. Je veux m'arrêter en pleine journée pour me réjouir de ta présence dans mon cœur, dans ce jardin où il n'y a que toi et moi. Seigneur, je veux chérir ce moment du soir où, la lueur de la lune, je repense à tous ces clins d'œil que tu m'as fait durant la journée. Ma prière, c'est qu'à chacun de ces instants, je puisse marcher sous la protection de ta loi et ne jamais m'aventurer hors de tes sentiers. Ce que je veux, c'est me taire et entendre ta paix, la laisser me toucher le cœur, parce que ton esprit est ma consolation. Il est ma joie dans la victoire. Alors, en attendant ce magnifique jour, tu reviendras nous délivrer. Ce que je veux, c'est tout laisser à tes pieds, m'y asseoir et juste contempler ta bonté. Jusqu'à ce magnifique jour où seule ta voix s'élèvera triomphante et resplendissante. Amen. Psaume 119, 34 et 35. Donne-moi l'intelligence
pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Amen. J'inviterai les diacres à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Dieu, sois le bienvenu au milieu de nous, toi notre Créateur. Merci pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tes miséricordes. Merci de prendre soin de ton peuple, malgré les épreuves, les difficultés que nous pouvons rencontrer. Tu es là et tu nous fais des clins d'œil. Nous voulons te dire merci pour toutes tes grâces. Merci car tu es là pour pourvoir à tous nos besoins mentaux, physiques, spirituels, matériels. Et nous voulons te dire vraiment merci. Merci encore pour ce sabbat que tu nous donnes, pour renouveler nos forces en toi. Merci pour tes nombreuses bénédictions que tu nous accordes dans les lieux célestes. Merci car tu nous permets de te rencontrer et venir t'adorer et aussi partager ensemble, vivre en fraternité. Merci Seigneur. Nous sommes venus t'apporter ce que tu nous accordes, les dîmes et nos offrandes. Puisses-tu permettre que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre au Québec et ailleurs dans le monde. Fortifie tes enfants, Seigneur, ton peuple, dans les lieux où il y a moins de besoins, dans les lieux où il y a la guerre ou la famine. Nous pensons, Seigneur, aussi au projet, Seigneur Bois-Pain. Te demandons, Seigneur, de permettre que nous puissions apporter encore une lueur d'espoir dans cette région en Haïti, et que ces jeunes enfants puissent avoir cette éducation que tu recommandes, qui nous permet de développer la foi de Jésus et
l'amour, Seigneur, du prochain. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bénis ton peuple ici au Québec et dans toutes les régions du monde. Prépare-nous, Seigneur, réveille-nous. Délivre-nous, Seigneur, de nos péchés, de toutes les souillures du monde. Aide-nous à grandir dans la connaissance de ton nom et dans ce caractère qui te glorifie, Seigneur. Puisses-tu contribuer, Seigneur, permettre que le prédicateur nous exhorte ici, parle en lui. Nous te demandons toutes ces grâces en pensant, Seigneur, aux malades également. Visite-les, Seigneur. Fortifie-les, toi, qui es la résurrection et la vie. Toi aussi qui dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Accomplis, Seigneur, ces paroles dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Par du temps de méditation, lecture de sa parole, étude de sa parole, partage, témoignage, on s'élève à Dieu. Dieu va nous transformer à son merveilleuse image. Plus que jamais, oh mon âme.
à vous asseoir. Nous pouvons lire dans Psaume 119, 104 et 105. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et pour terminer, Apocalypse 2, 10, la dernière phrase. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Je vous souhaite une très belle journée et j'inviterai Jean, le prédicateur du jour. Combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps encore devons-nous attendre? S'il doit exister une époque où les gens ont vraiment besoin d'espérance en un monde meilleur, ne serait-ce pas cette époque-ci dans laquelle nous sommes présentement? Nous t'en prions, Seigneur. Rallume en nous l'espérance de la délivrance finale lors de ton retour prochain. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Amen. Nous vivons à une époque sans pareil. Quant à l'accomplissement des signes des temps devant précéder l'avènement du Fils de l'homme, tel que décrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Au verset 6, par exemple, il est écrit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Depuis que l'ONU a été instituée par les hommes en 1945-46 pour éviter que ne se répète la grande tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, la Terre ne cesse de vivre dans l'insécurité de conflits régionaux. Quand un conflit semble s'apaiser quelque part au Kosovo, un autre reprend de plus belle ailleurs.
verset 7. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On dirait qu'on entend que ça aux nouvelles. Des régions du monde où des populations entières sont déplacées. Il manque de tout. Tremblements de terre presque quotidiens tout partout dans le monde. Au verset 12 dans Matthieu 24, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Avec le niveau de violence et d'incivilité qui augmente sans cesse dans nos sociétés modernes, avec la diminution marquée, pour ne pas dire parfois même l'absence de simples gestes de bienséance et de bienveillance de la part de nos jeunes et même des moins jeunes, avec le manque de respect et le cynisme croissant des populations envers leurs classes dirigeantes politiques et d'affaires, dont les modèles reflètent de moins en moins ceux d'autrefois en termes d'humilité, de respect d'autrui et de compassion. Avec l'augmentation de l'impudicité et de la débauche sous toutes ses formes, c'est à se demander, c'est encore possible de renverser cette tendance lourde du refroidissement de la charité du nombre grandissant d'individus. Et pour ce qui est du désespoir qui habite notre génération, il ne faut pas être trop pessimiste parce qu'il y a des belles choses. On vient de vivre un beau moment ensemble. C'est ces moments-là qu'on vit ensemble qui nous permettent d'espérer en un monde meilleur. Mais quand on constate l'augmentation croissante du nombre de personnes n'ayant plus aucun espoir dans le présent ni le futur, qui atteignent un tel degré de désappointement en cette vie présente qu'elles ne sont plus capables d'aller de l'avant, elle en arrive au point de conclure que la meilleure chose qu'elle puisse faire pour leurs amis et leur famille, c'est de s'enlever la vie. Chaque personne qui contemple le suicide comme sa meilleure option pour la vie présente représente un symbole de désespoir et d'absence totale d'espérance dans le monde présent et à venir. Et nous, qui sommes encore vivants et qui sommes témoins de la douleur de vivre et du désespoir des gens qui nous entourent. Ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois désespérés ou à tout le moins fatigués de constater la détérioration croissante de notre planète rebelle? Quand on constate les assauts croissants de la rage démoniaque de l'ennemi de nos âmes envers les habitants de notre galaxie, quand on constate la perte croissante de vies humaines qui périssent semaine après semaine, et nous, chrétiens, on n'en est pas épargnés. C'est à se demander si nous aussi, nous perdons espoir dans le secours intergalactique promis il y a 2000 ans par le roi de l'univers. Ne sommes-nous pas, par définition, des adventistes qui attendons le retour glorieux du Sauveur du monde? N'avons-nous pas, de façon volontairement subtile, ou peut-être même de façon inconsciente, mis de côté notre espérance dans son retour? On a tassé ça derrière la tête, dans un coin reculé de notre cerveau. En quoi cette vérité biblique du retour de Jésus est-il encore important? En quoi cette vérité est-elle importante, centrale dans notre façon de vivre notre vie quotidienne, au travail, à l'école, pendant nos vacances? Revoyons ensemble ce verset qu'on trouve dans Hébreux au chapitre 10 et le verset 23, qui est en fait le verset central de mon partage avec vous ce matin. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 10
et au verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23, il est écrit. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, qu'est-ce qui est écrit? Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais des fois, je me demande si notre génération aujourd'hui n'est pas semblable à celle des auditeurs de la lettre aux Hébreux. Pasteur William Johnson, dans un de ses commentaires bibliques sur la lettre aux Hébreux, présente la situation de l'époque aux Hébreux comme suit. Leur problème, le problème des Hébreux, de ceux qui écoutaient cette lettre-là, leur problème n'en était pas un tant de faux prophètes, comme dans la lettre aux Galates, ni celui d'un enthousiasme sans borne à cause des manifestations de l'Esprit, comme dans la lettre aux Corinthiens, ni un problème d'incapacité pour les Juifs d'accepter l'Évangile, comme dans la lettre aux Romains. Non, leur problème, des auditeurs de la lettre aux Hébreux, c'est qu'ils sont fatigués d'attendre. Ils n'en peuvent plus d'attendre après ce fameux retour du Seigneur, au point qu'ils deviennent stagnants. Ils ne croissent plus dans leur identité chrétienne. Ils se questionnent sur leur valeur, sur la valeur de leur religion. Est-ce que ça ne nous ressemble pas, ça? Ce n'est pas le cas de l'Église moderne d'aujourd'hui. Ce n'est pas mon cas. Fatigué d'attendre un retour que depuis que je connais l'Évangile, on me dit qu'il est pour bientôt. Bientôt. Ça fait déjà 30 ans pour moi. Bientôt. Lisons ensemble cette promesse que Jésus a faite à ses disciples. Dans Jean 14, verset 1, il y en a plusieurs parmi nous qui la connaissent par cœur, cette promesse-là, mais on va la relire tranquillement ensemble. Est-ce que vraiment on est conscient du sens profond de cette belle promesse dans Jean, chapitre 14, verset 1 à 3? Il est écrit: « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qui est écrit? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La voilà donc, cette promesse. Je reviendrai. Je reviens te chercher et je te prendrai avec moi. Mais en quoi cette promesse est vraiment vraie? Bien, on l'a lu tantôt dans Hébreux 10, au verset 23. En quoi cette promesse est vraie? Hébreux 10, verset 23, il est écrit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. On sait c'est quoi que ça veut dire, la fidélité. Quand tu es fidèle, ça veut dire que ce que tu dis, tu tiens parole.
Oui, mais en quoi cette promesse peut-elle vraiment se réaliser? Est-ce que c'est vraiment possible que Jésus revienne? Ben voici. Si Jésus est mort pour nos péchés, donc si on croit que Jésus a existé puis qu'il est mort sur une croix, si on croit que Dieu l'a ressuscité des morts pour nous sauver, je crois à ça. Je crois que Dieu a ressuscité Jésus. C'est un personnage historique réel. Il est venu sur terre. Il a existé. On l'a cloué à la croix. Maintenant, il est ressuscité. Il est maintenant vivant. Si c'est vraiment vrai, ça, ben, c'est clair pour moi qu'il va revenir. Si c'est vraiment vrai, si j'y crois vraiment qu'il est ressuscité puis qu'il est vivant, ben, il est vivant. Il est donc quelque part. Et s'il a dit qu'il reviendrait, il va revenir. D'ailleurs, la parole nous le confirme si on recule un petit peu dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 27. Hébreux 9, 27, il est écrit. Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est écrit. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Verset 28, « De même Christ... qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, c'est écrit quoi? Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Puis j'ai compris que cette expression-là, une seconde fois, rattachée à son retour, c'est le seul endroit dans la parole de Dieu qu'on trouve ça. Que son retour... ça va être un second retour. Il va revenir une seconde fois. Il est déjà venu une fois. Peut-être qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais il est déjà venu une fois. Puis il va revenir une seconde fois. Vous avez noté qu'il est écrit, il va revenir une seconde fois. Qu'est-ce qui est écrit? À ceux qui l'attendent. Comment faire partie de ceux qui l'attendent? Est-ce qu'on l'attend? Une chose est certaine, c'est que si tu l'attends, c'est parce que tu espères qu'il va revenir. Si tu n'espères pas qu'il revient, tu ne l'attends pas. Tu ne peux pas attendre quelqu'un que tu sais qu'il ne reviendra pas. Si tu sais que quelqu'un va revenir, puis si tu espères en son retour, bien, tu l'attends. Tu n'es pas trop surpris quand tu penses qu'il est à la porte puis qu'il va revenir, parce que tu l'attends. Mais il y a cette impression de délai. Tu sais, tu l'attends. Tu as pensé à Jacob. C'est Jacob qui a marié, qui aimait Rachel, mais qui a dû attendre un autre 7 ans. Hein? C'est ça? Hey, il faut aimer, hein? Il faut aimer. Il faut aimer. Il a attendu 7 ans, il a travaillé pour, c'est Laban, il a travaillé pour Laban, puis finalement Laban, il l'a floué en lui donnant sa plus vieille. Puis il a dit, travailler un autre 7 ans parce que je l'aime. 14 ans pour Laban, pour finalement épouser celle qu'il aime. Il a attendu 14 ans, patiemment. Puis nous autres, le délai, ça semble un peu long. Surtout que plusieurs passages citent,
je reviens bientôt. Bientôt. Moi, quand je vous dis que je reviens bientôt, je ne reviens pas 3 ans après, là. Je reviens, tu sais, je ne sais pas moi, tu sais, je dis bientôt. C'est au moins dans la même journée, là, tu sais. Mais cette impression de délai, j'aurais aimé ça vous la présenter sous ce qui me semble être la perspective de Dieu. Le délai. Ça prend du temps. Et j'aimerais vous la présenter sous la forme... Je n'ai pas d'enfant, mais je sais que ceux qui ont des enfants ici, vous allez pleinement saisir, parce qu'on a tous été des enfants. Puis je pense qu'on se rappelle de ces moments-là où quand on était enfant, puis que notre parent, notre père, notre mère, nous faisaient une promesse. Alors, dans mon cas, à moi, comme j'aime le canot camping, peut-être je pourrais dire, OK, là, on va aller faire du canot camping. C'est certain qu'on va faire du canot camping. Si Dieu me prête vie, on fait du canot camping. Le petit enfant, on va aller dans le bois, puis on va aller... Puis le petit enfant, le lendemain matin, il se lève, il dit, OK, papa, on va faire du canot camping? Non, non, non. Écoute, on va y aller, mais pas tout de suite, mais c'est certain qu'on va y aller. On prépare ça, là, on planifie ça. Il faut d'abord que j'aille acheter la tente, il faut d'abord que je fasse un ensemble de choses. Mais pour le petit enfant, sa perspective des choses, c'est que la vie pour lui, c'est constamment attendre. Moi, j'attends d'être plus vieux, j'attends d'avoir de l'argent, j'attends d'être comme mon père. La vie d'un enfant, c'est une vie d'attente. Puis quand tu dis à un enfant, attends, c'est long. C'est long. Mais pour toi qui fais la promesse, il n'y a pas de problème. C'est clair, ta tête, ça va avoir lieu. C'est clair. Il n'y a pas de doute que ce que tu as promis, tu vas l'exécuter. Ça ne prendra pas trop de temps. Ça va se faire bientôt. Mais pour l'enfant, bientôt, c'est toujours trop long. Et vous savez que la parole de Dieu dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, faisant allusion aux enfants. On devrait être comme des enfants. Pardon? Excité. Il va revenir. Chaque génération entretient cet espoir de voir Jésus revenir de son vivant. Chaque génération considère être la dernière génération avant le retour de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que chaque génération vit son lot d'épreuves, son lot d'injustices et de souffrances. Chaque génération constate que le monde ne s'en va pas en s'améliorant. Chaque génération soupire après le retour de Jésus. Chaque génération voit le progrès de l'Évangile. Donc, chaque génération, incluant la nôtre, on désire que cessent les injustices de ce monde, que cesse la souffrance. On ne souffre peut-être pas, nous autres, présentement ici, mais c'est certain que du moment que tu sors, tu regardes des nouvelles, tu vas dire, écoute, c'est comme si ici, c'est là où coule le lait et le miel. Parce qu'on est gâtés. Moi, toutes les fois que je rentre chez nous à la maison, je dis à mes beaux-parents, je dis, on est gâtés pourri. Jusqu'à la moelle. Comment est-ce qu'on est dans un pays d'abondance comparé à... Mais on est vraiment une exception. Est-ce que vous réalisez que nous sommes une exception? Quand vous regardez les cataclysmes qui se passent. Moi, je suis surpris aux États-Unis. Les États-Unis, c'est juste en dessous. Ça n'arrête pas, là, de l'eau qui sort, puis des tempêtes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est parce que les nouvelles sont en train... Il y a plus de journalistes. Je sais qu'avant, il y en avait des tempêtes, mais tant que ça! C'est pas drôle, mon ami, l'eau qui rentre dans ta maison, puis, hey, écoute, bingo, fini! On recommence la vie à zéro.
Bon, peut-être qu'on va dire que ce n'est peut-être pas un signe extraordinaire du retour de Jésus, mais quand même, quand ça t'arrive, tu réfléchis au sens de la vie, tu réfléchis à la fragilité de la vie. Puis plus que ça arrive dans le monde, plus qu'on est là en train de se demander, la vie, a-t-il un sens? On aimerait bien que ça reste doux tout le temps, puis qu'on puisse se reposer, puis profiter de la vie, avoir un petit jardin. Tu sais, puis... Mes amis, Dieu ne nous a pas laissé tomber. Christ ne nous a pas oubliés. Le roi revient pour secourir notre galaxie et sa planète rebelle en ruine. Il va revenir de nouveau. Dans Hébreux 10 et au verset 37, il est écrit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » On pense qu'il tarde, mais il ne tarde pas. Il n'y a pas de délai. Sa promesse tient toujours. Nous avons cette espérance, comme c'est écrit dans Hébreux 6, 19, comme une ancre de l'âme sûre et solide. Darby, version Darby, dit « ferme ». Une espérance comme l'ancre. Tu sais, un ancre, quand tu es dans le bateau, puis qu'il y a du vent, là, tu jettes l'ancre, ça frappe le fond, puis le bateau, il ballotte, mais il ne bouge pas. On reste accroché. Un ancre solide et ferme. Rappelez-vous ce moment après la résurrection de Jésus, quand, dans Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les apôtres se retrouvent tous réunis autour de lui, sur la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Ils ne savaient pas encore que dans quelques minutes à peine, Jésus retournerait là d'où il vient auprès de son Père et qu'il ne le reverrait plus de leur vivant. Ils ne savaient pas encore. Puis dans Acte 1, verset 6, les apôtres réunis lui demandent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, après tout ce qu'ils viennent de vivre, d'avoir vu Jésus ressusciter Lazare, marcher sur l'eau, dire à la tempête, « Tais-toi !» Après avoir vu Jésus mourir et ressusciter, ça fait 40 jours qu'il est avec eux autres, il dit, « Seigneur, c'est pas le temps maintenant que ton royaume s'établisse. » Acte 1, verset 7, il leur répondit, Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mes amis, il y a encore du travail sur la planche. Ce n'est pas encore fini. Verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis là, je fais un saut dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et d'ici là, Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voyez ce que pensait Mme Ellen White, une des pionnières du mouvement adventiste vers la fin des années 1800. Je ne sais pas si on va voir la version
française seulement. On réussit, oui ou non. J'ai voulu mettre anglais-français, mais je n'ai pas eu le temps de préparer. Je ne pense pas qu'on va le faire. On va le lire en français seulement. C'est ma traduction. J'aurais aimé que ceux qui lisent l'anglais puissent voir l'anglais, parce que tu sais, l'anglais, c'est l'original. Traduction de ce qu'avait écrit Mme White, une lettre à une sœur dans la foi. Elle avait écrit ça le 11 août 1888. Elle a pris le temps de prendre un crayon, prendre un papier, pas de computer, là. Puis, mot à mot, la jeune dame, 88, elle est peut-être moins plus jeune, mais la dame, écrit à une sœur dans la foi qui lui demande, « Hey, est-ce que c'est vrai que Jésus va revenir? » Voici ce qu'elle dit. Nous n'avons pas abandonné notre confiance et n'avons pas un message basé sur un temps prédéterminé, mais nous attendons et veillons en prière, attendant et désirant le retour de notre Sauveur et faisant tout en notre pouvoir pour préparer nos concitoyens pour ce grand événement. Nous ne sommes pas impatients. Si la vision tarde, continuez d'attendre, car elle viendra certainement. Elle ne tardera pas. Même si nous sommes désappointés, notre foi ne défaillit pas et nous ne nous sommes pas retirés pour nous perdre. Ce délai apparent, en réalité, ne l'est pas, car au temps fixé, notre Seigneur reviendra. Et si nous sommes fidèles, nous serons de ceux et celles qui diront... On va continuer. Ésaïe 25, verset 9. « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Et elle continue, Mme White. « On m'a aussi accusé d'imposteur, de menteur, parce que j'avais dit... Le Seigneur va venir bientôt. Préparez-vous. Soyez prêts afin d'être trouvés veillants, attendant et désirant son avènement. » C'est Mme White qui parle. Elle écrit ça. Mais dans le livre de l'Apocalypse, elle écrit, là. Je lis ces affirmations. Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Elle continue d'écrire, Mme White, là. « Est-ce que celui qui affirme ces choses est un imposteur, un menteur? » Parce que le bientôt a été prononcé il y a tellement longtemps que nos esprits finis sont incapables d'en mesurer le temps. C'est le témoin fidèle et véritable qui parle. Ses paroles sont vraies et vérité. Il n'y a pas de délai dans le retour de Jésus. Le Père, il n'est pas constamment en train de changer de date en disant, « Ah, oh, mon peuple, mais qu'est-ce que vous faites? Gabriel, viens ici, change de date. Amène-moi un calendrier. Change la date. On va fixer notre date. » Puis là, il y a une nouvelle date au calendrier. Non! Le Père n'est pas constamment en train de changer de date. Il a toujours su quelle est la date, quelle est l'heure à laquelle sa promesse va se réaliser. Oui, mais quand, Jean? Ça fait longtemps qu'on attend, ça tarde quand même. Dans combien de temps encore? Vous voulez vraiment savoir dans combien de temps? Je vais vous le dire. Écoutez bien. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour que le roi revienne sur cette planète rebelle et remporte de façon décisive et sans équivoque la grande bataille pour la conquête de notre planète rebelle au sein de Galaxie 3. Après qu'il aura détruit
parfaitement et pour toujours la mort, le péché et tous les rebelles, et que nous voyons notre roi face à face, alors que l'Apocalypse 22, verset 5 est écrit, il n'y aura plus de nuit et nous n'aurons besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu nous éclairera et nous règnerons au siècle des siècles. Amen. Donc, Hébreux 10, verset 23, retenons fermement. La version Darby dit sans chanceler. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. J'invite nos gens à la louange à s'avancer. Même si parfois faiblissent nos forces et notre foi en cette heure qui approche où viendra la fin. « Oh, mon âme chantera encore pendant 1000 ans et éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie le nom de ton roi dans tous les siècles. » Pour l'accomplissement de ta promesse, de ton secours intergalactique. Chante plus que jamais, ô mon âme, la délivrance de ton roi sur cette planète rebelle. Oui, je glorifierai ton nom au siècle des siècles. Amen. Que tu vas revenir, Seigneur, tu vas revenir en ton temps. Et nous, comme des enfants, parfois impatients, Seigneur, aide-nous à demeurer debout, fidèles, et par ton esprit qu'on puisse proclamer au monde ton amour, ta parole, ton retour, ton secours, l'espérance de cette planète. Ô Seigneur, loué soit ton nom dans tous les siècles pour ta promesse qui nous donne la vie et l'espoir de vivre ici-bas
dans l'adversité, jusque dans la vie éternelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Jésus-Christ, ressuscité, maintenant vivant, et qui revient bientôt. Amen.